Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, lettre des producteurs sur Twitter concernant la version globale, mais évidemment ça va concerner aussi la version Jap. Alors au moment où je commence la vidéo, eh bien il y a déjà les persos qui ont été tweetés aussi, donc je vais vous proposer tout ça, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est top vacances et je vais devoir cut en plusieurs vidéos parce que sinon c'est ingérable en fait avec la tablette et tout. Faire une grosse vidéo, c'est très compliqué. Je vous passe les détails, mais bon, voilà. Donc, du coup, là, je vais faire plusieurs vidéos parce que sinon, ça va être un bordel. Donc là, on va checker juste cette lettre et les annonces in-game. Et puis après, on fera, je pense, une vidéo sur les animations, après sur les stats, parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, on est parti pour la lettre. Alors, bon, début, semblant de machin campagne, ok, très bien. Ensuite, on nous annonce un portail. Du coup, je crois qu'on avait déjà eu l'année dernière. Après, est-ce que c'était taux doublé? Je me souviens plus. Bon, bref. On aura 80 DS, oui, je mets que c'est bonus de quoi et compagnie. Des tickets donc spéciales pour une multi à 30, taux doublé, et bon, on voit Zamasuté, Trio Univers 2, donc des persos qui ont l'air assez récents, est-ce que ça va aller jusqu'au dernier, ça m'étonnerait. Mais voilà, on aura une multi avec des LR pieds jaunes évidemment hors détecteur, donc on prend bien sûr, on voit 25, 4 PSC, donc ça veut dire que la célébration commence bien, en théorie, vendredi. Et on a du coup du visuel sur le double Dokkan Fest avec Goku SH3 Ange et Majin Buu. Évidemment, le premier combat, hein, j'ai envie de dire. Et les artworks sont vraiment très cool. Alors, le artwork de Goku est vraiment goté au niveau comment dire, de la référence, hein, parce que ça vient d'illustration de Toriyama, qui est vraiment très très belle. Alors, par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est, les persos en fond, parce que ça se voit beaucoup, ça, sur DBL, où t'as le perso principal devant, puis en fond, t'as l'ennemi. Mais sur Dokkan, généralement, quand t'as un perso en fond comme ça, c'est une spé jointe, un switch, genre de choses, ou une carte duo. Mais là, ouais, mais non, mais pas un ennemi, quoi. Enfin, en gros, ça veut dire quelque chose. Là, on dirait que c'est juste pour illustrer, pour faire joli. Donc, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, de mémoire, je pense au SJ2 où je crois que tu vois Majin en fond et inversement Goku, mais sinon, il y a très peu de cartes. Ah oui, il y a Goku Thalès aussi, tu vois Thalès en fond. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça se fait pas énormément, donc, bon, pourquoi pas, hein, c'est assez sympa. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé avoir l'artwork où Goku est de face avec tous les gens qui réagissent à la transformation. Mais bon. C'est quand même vraiment pas mal. En tout cas, c'est mieux que le puits, hein. Donc, j'espère que les animations vont être au rendez-vous. Donc là, ça a déjà tweeté, donc je vais voir ça juste après. Je n'ai pas encore vu animation d'entrée pour les deux. Un perso Saga de Boo pour la déclencher. Et puis après, apparemment, on aura des boosts une fois qu'elle est terminée. Alors, je sais pas s'il parle de l'animation ou de l'entrée en tant que mécanique. Au bout d'un certain nombre de tours, on a plus de bonus. Je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant, évidemment, de voir ce que ça va donner. Et on verra ça de façon juste après. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur cette page? Ben, je ne sais plus. Non, mais je crois que c'est bon. Hein, de toute façon, on verra après en détail. Ça, par contre, voilà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que je m'étais dit hier, ouais, mais attends, Boo, c'est cool, il valide les Boo sûrement, mais on n'a pas Boo Tanks. Eh ben si, eh ben on aura Boo Tanks. Par contre, j'espère qu'il va arriver très tôt dans la célébration. Hein, parce que s'ils mettent 3 ans à le sortir, genre, tu sais, à la moitié, non, ça va faire chier. Mettez-le dès le début. Enfin, s'il vous plaît. Parce que sinon. Ça va être chiant déjà qu'on n'a pas le fat boo du TB, bon ça va être chiant, donc voilà, les deux Z Battle arrivent, donc DDS évidemment forcément récupéré, et ça aussi ça fait plaisir, une Red Zone Saga de Boo, mais oui, parce que là j'en peux plus, et j'ai vu sur les réseaux, les gens sont pareils, j'en peux plus de la globale, de Omega, de Zamasu, j'en peux plus de faire ces niveaux-là, j'en peux plus, surtout qu'ils sont très pénibles quand même, à cause des auto-carnages et tout machin, bon encore qu'Omega ça va, mais Zamasu c'est infâme, la Red Zone future d'une manière générale c'est infâme, j'en peux plus. Enfin des nouveaux niveaux, merci, enfin en espérant qu'ils soient bien, mais voilà, une Red Zone avec des missions, apparemment des nouvelles fonctionnalités au niveau des boss, hein, qui fait qu'on pourra prendre des dégâts de gratte à chaque tour qui passe, ou l'ennemi qui obtient des bonus, soit peut-être le critique, c'est ce qu'on avait vu, bon on verra bien, mais ça peut être intéressant, faut voir comment c'est fait, mais ça peut être plutôt cool, puis après ils parlent du mode quête qu'ils ont déjà mis à jour, donc voilà pour les petites annonces, alors in-game vite fait, on peut aller voir, on a les petites annonces aussi. Rapidement, donc évidemment les Dokkan Event bien sûr, donc l'entrée de Boo ça va être quand il apparaît j'imagine bien sûr, enfin c'est sûr, Goku bah en théorie c'est la transformation, ça a intérêt à être réussi sinon je vais péter un plomb, vous regardez la vidéo vous savez déjà mais moi je ne sais pas, l'éveil du Goku 3 du tout début du jeu là, le Goku qui s'éveille au fur et à mesure, qui va avoir un éveil, bah pourquoi pas, le Battlefield, alors ça c'est que sur la Jap malheureusement, mais le Dablab habillé évidemment ZLR, donc voilà, et la Red Zone qui est annoncée. SBR Extrême SBR, voilà. Donc ça s'annonce plutôt complet, ça s'annonce cool. Juste un prérequis. Bon, faut que les persos soient bons, hein. Je demande pas qu'ils soient craqués, non, mais qu'ils soient bien, n'est-ce pas? Genre toi, Topo, Vegeta Tech, tu vois, ça c'est bien.
plus ou moins aussi bien, ça sera déjà pas mal. Mais surtout aussi les animations, parce que Goku 3 Ryuken, je l'ai encore en travers de la gorge. Donc s'il vous plaît, le respect, est-ce que c'est maintenant? Je ne sais pas encore, je verrai après, mais on verra. Bon, sur ce les amis, on s'est assuré pour cette petite vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!